La plupart du temps, quand on nous demande une radiographie, c'est pour avoir à la fois un constat de l'état de conservation de l'œuvre, voir ses zones de fragilité, voir les parties qui ont déjà été refaites. Donc la radiographie permet de mettre en évidence tout ce qui n'est pas visible à l'œil nu, tout ce qui n'est pas directement accessible, mais qui vont permettre de comprendre comment sont fabriqués ces objets ou ces œuvres. Moi, pour traverser un bronze, ou un marbre, j'envoie 400 kilovolts. Mais surtout, la radiographie médicale, c'est le tir dure une fraction de seconde. Moi, je peux exposer pendant une dizaine de minutes, et ça de manière répétée, pour couvrir la totalité de la sculpture. Donc, ça devient... en effet, il ne faut vraiment pas se trouver dans le faisceau, dans le rayonnement. C'est dangereux. Le tir est en cours. David, j'ai accroché donc les clichés que j'ai réalisés sur cette statue. Donc j'ai fait une couverture d'ensemble de l'œuvre et puis j'ai complété par des détails à des angles différents pour bien comprendre la fabrication et puis également bien voir donc les armatures internes qu'on discerne en fait. Elles sont assez claires, c'était pas évident vu la composition de la statue là pour arriver à dégager un peu toutes les formes. Bon, la statue est creuse, ça on s'en doutait, hein. C'est à partir d'une certaine taille, c'est systématique ou presque, suivant les civilisations. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les épaisseurs, là qu'on arrive à mesurer très très clairement à différents endroits, sur les jambes, sur les bras ici, sur le tronc. Et on voit deux choses, on voit d'abord une grande irrégularité. On le voit très bien, par exemple ici, on atteint plus de 1,5 cm d'épaisseur, mm-hmm. Alors qu'en face, voilà, on est à moins d'un centimètre. Donc il y a clairement un modelé interne qui est différent du modelé extérieur. Donc ça nous intéresse beaucoup parce que ça met en évidence un procédé de fabrication très particulier. Il s'agit clairement de cire perdue hein, ici. Et surtout, la chose la plus intéressante, c'est ce qu'on voit là, cette armature. Cette barre là, ce rond. Qui relie en fait les armatures principales entre elles. Ouais, qui est transverse. Là, voilà. Une là, et puis... Dans le bas du tronc et dans le. Exactement. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai rarement vu, en fait, que je n'ai jamais vu. Et du coup, j'ai interrogé des collègues et une personne du Getty m'a répondu qu'elle avait déjà vu ça une seule fois. Et elle l'a vu, elle, dans une statue de Jean-Antoine Houdon, qui est français, qui officie plutôt à la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et c'est pas inintéressant parce qu'il y a toute une discussion autour de cet ensemble-là que d'aucuns attribuent à une production italienne du XVIIe siècle, mais que des études stylistiques plus récentes ont plutôt attribué au XVIIIe siècle français. Alors voilà, ça c'est les premiers indices qu'on a et cette radio-là, elle est déterminante pour ce genre d'attribution-là. Là, en fait, c'était plus au niveau de la surface que la restauration devait intervenir, car il n'y a heureusement pas de gros problèmes de structure, à l'exception de la déformation accidentelle et de la cassure aussi de certains fragments de l'extrémité des mains, qui sont des endroits particulièrement fragiles, de Daphné. Donc il y avait essentiellement un travail d'étude de la patine et de nettoyage. Donc pour ce qui est de la patine, c'est toujours très difficile d'identifier une patine originale d'une patine plus récente. Donc de toute évidence, il fallait garder les patines que l'on considère comme anciennes.
Mais ce qu'on pouvait éliminer et ce qu'il était nécessaire d'éliminer, ce sont les couches de cire encrassées qui ont été appliquées successivement dans le temps jusqu'à des périodes très récentes et qui donc enlèvent beaucoup d'acuité aux détails, justement aux détails ciselés, et en même temps qui sont très mauvais pour la conservation du bronze parce que la poussière est hygroscopique et donc le métal s'abîme beaucoup plus, se corrode beaucoup plus facilement quand il y a des dépôts de poussière. Donc la main a été accidentellement déformée et il y a deux éléments qui ont été cassés. Et donc les doigts sont très déformés, il est donc assez difficile de replacer les éléments. Mais maintenant, déontologiquement, on ne chauffe plus le métal car ça change la structure interne du métal. Mais on ne peut que tenter très légèrement de redresser mécaniquement le bronze, ce qui est très délicat parce que ce bronze n'est pas du tout malléable. On voit le plan de cassure de l'index de la main gauche. Donc, ce plan de cassure est très réduit. Et c'est ce qui oblige, en fait, à introduire un petit goujon, une petite tige à l'intérieur pour maintenir le collage, ce qui permet aussi de faire un collage réversible. Donc là, je prépare le comblement à l'emplacement de la pièce de reparure qui a disparu sur la paume de la main. Donc pour ça, on utilise, j'ai décidé d'utiliser une résine qui est tout à fait réversible et très largement utilisée en restauration, qui est du paraloïde. C'est une résine acrylique et que je dissous dans l'acétone et que je vais charger ensuite avec des poudres inertes et des pigments pour donner à peu près l'aspect de surface du métal. Quand c'est sec, je retravaille la résine et je comble quand il y a des tout petits manques. Et puis je la retravaille à nouveau et après, il faut la teinter pour améliorer l'aspect de surface. Mais tout en restant visible, puisqu'on ne veut pas du tout faire un travail de faussaire, mais il faut que les restaurations, les comblements soient visibles. D'autant plus que là, c'était une pièce de reparure qui était vraisemblablement visible dès l'origine, au moment de la fabrication de l'œuvre. Ouais, l'idée, c'est d'avoir un morceau à peu près une taille centimétrique pour pouvoir faire une étude pétrographique pour voir comment est constituée l'argile. Donc, voilà, c'est bon. C'est bon ? Ouais. On a prélevé donc un morceau assez conséquent de noyau, de l'ordre du centimètre, pour deux choses. D'abord pour de la datation absolue, par une technique qui s'appelle la thermoluminescence. En gros, on va mesurer la radioactivité qu'il y a dans ce noyau-là. Donc ce qu'on va mesurer, c'est ce taux, cette dose-là. Plus la dose est élevée, plus la statue est âgée. En gros, hein, c'est le principe. Donc on va voir si ça correspond à ça et additionner à l'analyse du métal qu'on a fait, à l'analyse des techniques de fabrication, enfin la caractérisation. Tout ça converge vers cette datation proposée par les historiens de l'art. C'est bon.